Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, je vous présente la correction de la série numéro 2, la dispersion de la lumière et les couleurs, niveau 2e année, collège Biof. Exercice 1. Répondez par vrai ou faux. A. Un prisme permet de filtrer la lumière qu'il reçoit. Faux. Il ne filtre pas et disperse. B. Un filtre coloré diffuse sa couleur et absorbe les autres lumières. Vrai. C. La dispersion consiste à décomposer la lumière blanche. Vrai. A. D. Un objet vert éclaire en lumière blanche absorbe toutes les lumières qu'il reçoit. Faux. D. Les lumières primaires sont rouges, bleu, vert, bleu. Vrai. Les lumières complémentaires sont magenta, cyan et bleu, c'est faux. C'est-à-dire magenta et cyan et jaune. Jaune, ce n'est pas bleu. Faux. La synthèse additive et la superposition de lumières colorées secondaires. Faux. Bah, des lumières colorées primaires. Exercice 2. Placez les mots suivants dans la bonne place. Spectre, secondaire, primaire, monochromatique, disperse. Le phénomène de décomposition de la lumière s'appelle la dispersion. La dispersion. La figure obtenue s'appelle le spectre de lumière blanche. Le laser est une source lumière monochromatique. Il est composé d'une seule couleur, c'est-à-dire composé d'une seule radiation monochromatique. Les couleurs rouge, vert, bleu sont appelées des couleurs primaires. Les couleurs magenta, cyan, jaune sont appelées des couleurs secondaires. Exercice 3. En réalisant l'expérience représentée dans la figure ci-dessus, complétez le tableau suivant. C'est-à-dire, on a une source lumière blanche, on a un filtre coloré et un écran coloré. Dans le premier cas, le filtre coloré et l'écran coloré en lumière, c'est-à-dire par exemple le filtre coloré rouge et l'écran coloré en lumière. La couleur observée sur l'écran, c'est-à-dire l'œil reçoit la couleur de l'écran coloré. Pour cet exercice, on fait une expérience. La première expérience, c'est-à-dire que on a des filtres rouge, vert, bleu. On a un écran rouge, vert, bleu, jaune, etc. La première fois, on allume la lampe. La lampe est une lumière blanche, mais l'écran blanc. Pour voir le spectre, on voit que la lumière blanche est diffusée par l'écran blanc. On voit que l'écran est blanc. Premier cas, on a un écran blanc, c'est-à-dire un filtre rouge. On voit que l'écran apparaît rouge. C'est-à-dire, le premier cas, c'est rouge. Le deuxième cas, si on a toujours la lumière, le filtre rouge, mais l'écran est vert, il va rester noir. Pourquoi? Parce que le vert absorbe le rouge et l'observateur voit que l'écran est noir. Deuxième cas, si le filtre est rouge toujours et l'écran est jaune, il devient rouge, c'est-à-dire que le jaune et diffuse le rouge, c'est-à-dire que le jaune il est mélangé de le rouge et le vert. Pour cet cas, on va répéter. On va
faire éteint, puis allumé. La lumière blanche, l'écran, c'est-à-dire l'écran, est jaune. Si on donne l'écran jaune à la lumière blanche, il devient jaune. Mais si le filtre est rouge, il devient l'écran rouge. Et l'œil reçoit le rouge. C'est-à-dire, on a dans le premier cas rouge, noir, rouge. La deuxième cas, le quatrième cas, on change de lumière. On répète, on a une lumière. La lumière est verte, c'est-à-dire verte. Mais l'écran devient jaune. On a allumé, c'est-à-dire il est jaune. Si l'écran est jaune, on émet une lumière au filtre bleu, ou bien une lumière verte. Il devient verte, c'est-à-dire que le jaune est mélangé de vert et de rouge. Il diffuse le vert, si on le met par le vert. Ensuite, si l'écran est bleu, il devient noir. Le bleu ne contient pas le vert. Il absorbe le vert, il ne diffuse rien. L'objet devient noir. Ensuite, on passe par la lumière bleue. La lumière bleue avec le jaune, il devient noir. On résume ce résultat par on répète, si l'écran est, si le filtre, c'est-à-dire le filtre est rouge et l'écran est blanc, c'est-à-dire la lumière rouge diffuse sur le blanc, toujours il prend la couleur de la lumière, c'est-à-dire il reste rouge. Le rouge et le vert. Si on a un filtre rouge sur un écran vert, le vert absorbe le rouge, il devient noir. C'est-à-dire, l'œil reçoit une lumière ou bien voit la lumière noire. Le rouge avec le jaune, c'est-à-dire toujours le filtre est rouge, la lumière rouge diffuse sur un écran jaune, il devient rouge. C'est-à-dire que le jaune est mélangé ou bien la superposition d'une rouge et le vert. Le vert, ensuite, on a un filtre vert. C'est-à-dire, il passe, le filtre, c'est un... qu'est-ce que c'est un filtre? Un filtre, c'est un objet transparent qui laisse passer sa couleur et absorbe les autres couleurs. C'est-à-dire, la lumière blanche est composée de plusieurs de sept couleurs. Si on a un filtre vert, la lumière va passer le vert. Vert, un écran jaune, il devient verte parce que le jaune est diffuse le vert. Si on a le même deuxième cas, le même, on a un filtre vert, il va passer le vert sur le bleu, il devient noir. Le bleu absorbe le vert, il devient noir. Le bleu et le jaune. Si on a un filtre bleu, le bleu passe par le filtre et sur l'écran jaune, il devient noir. Pour l'exercice 4, représenter le drapeau français. Et représente le drapeau français en lumière, lumière rouge, lumière verte et lumière bleue. C'est-à-dire la représentation d'un drapeau éclairé par une lumière rouge. C'est-à-dire représentant le drapeau éclairé. C'est-à-dire, on va s'annoter l'élème al-français bi iddat adwa', wa huwa le rouge, le vert et le bleu. L'expérience. Dans cette expérience, on a trouve que l'écran est noir, c'est-à-dire on a zéro rouge, vert. Ce sont des couleurs primaires, c'est-à-dire SSI, ou au moins.
Pour voir, il faut allumer la lumière blanche. La lumière blanche, c'est les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, 100%. C'est-à-dire, on voit que c'est le drapeau français. Le bleu, le bar 1, le bleu, le bar 2, le blanc, et le bar 3, c'est le rouge. On va allumer cette drapeau avec une lumière rouge, c'est-à-dire il va rester 100%, mais on élimine le vert et le bleu. On trouve que la barre première, la barre c'est noir, rouge, rouge, c'est-à-dire que le bleu, quand on voit de la lumière rouge sur le vert, il devient noir. Le rouge sur le blanc, c'est le rouge. Le rouge sur le rouge, il va rester le rouge. Deuxième cas, on va revenir à le drapeau français. On va allumer ou bien éclairer le drapeau avec la lumière verte. On élimine R, le rouge et le bleu. On voit que la première barre, c'est rouge, vert et noir, noir, c'est-à-dire le premier noir, vert, noir. Le vert avec le bleu, c'est noir. Le vert avec le blanc, c'est vert. Le vert avec le rouge, c'est le noir. Un deuxième cas, on va revenir à la drapeau français. Bleu, vert, etc. Avec le bleu, c'est-à-dire le bleu devient bleu. Le bleu avec le blanc, c'est bleu. Le blanc avec le rouge, c'est le noir. On va éliminer le vert et le rouge. On va voir que le bleu, barre 1, le bleu est le noir. C'est-à-dire, on va répéter pour bien comprendre les couleurs de drapeau français. Avec le rouge avec le bleu, c'est le noir. Le rouge avec le blanc, c'est le rouge. Il va rester le rouge. Le rouge avec le rouge, c'est rouge. Le vert, c'est-à-dire la lumière verte, avec une lumière, avec une couleur bleue, il donne le noir. Le vert avec le blanc, c'est toujours le vert. Le vert avec le rouge, c'est-à-dire le vert est absorbé par le rouge, il devient noir. Le bleu avec le bleu, c'est le bleu. Toujours le bleu avec le blanc prend toujours la couleur du lumière qui est émise. Le bleu avec le blanc, c'est le bleu. Le bleu avec le rouge. Le rouge absorbe le bleu, il devient noir. Exercice 5. On réalise une synthèse d'activité des couleurs bleu, rouge et verte. Donnez le nom de la couleur de chaque des zones 1, 2, 3, 4. On a le rouge et le vert et le bleu. Ce qui est dans la série. Le rouge et le vert, ils donnent le jaune, c'est-à-dire le K, le 1. Le bleu avec le rouge donne magenta. Et le bleu avec le rouge, ils donnent le cyan. Ensuite, la quatrième, c'est la superposition des trois. Il donne la lumière blanche. Pourquoi? Parce que le vert et le rouge et le bleu sont des couleurs primaires, c'est-à-dire principales, c'est-à-dire à droite essentielles. On a zone 1, c'est le jaune. Zone 2, c'est le magenta. Zone 3, c'est cyan. Zone 4, c'est blanche. C'est la fin de la série. Au revoir.
à la prochaine fois.